Hey, donc bonjour à toutes et à tous les amis. Donc je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà l'unboxing de mon nouvel ordinateur. Donc je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Donc les abonnés qui ne sont pas personnels n'ont pas mon Snapchat, ce qui est normal. Et je pense vous les donner très rapidement. Ensuite, donc ici, attendez, voilà le carton de l'ordinateur. Voilà, il est juste ici. Donc il est très très simple, noir et gris. Donc voilà, sur les bords il est comme ça. Tac. Oui, j'ai déjà ouvert l'ordinateur. Donc ensuite derrière il est comme ça. Voilà, donc on va l'ouvrir. J'ai déjà ouvert enlevé le scotch ici. Donc on va ouvrir la boîte. Et donc je vais le mettre comme ça sur le côté pour qu'on le voit en même temps. Ah, c'était un prank? Non, donc j'avais déjà ouvert l'ordinateur. Il fallait que je fasse beaucoup de choses dessus. J'en avais vraiment besoin. Donc voilà, l'intérieur est comme ceci. Donc ici on avait toutes les petites notices. Ensuite ici il y avait l'ordinateur dans un cellophane. Ensuite ici nous avions le chargeur. Et voilà. Et c'est ce que j'ai à dire sur cette boîte. Donc en réalité, l'ordinateur est juste ici, donc voilà, juste là. De toute manière, je vous ferai une petite intro avec. Voilà, je m'en suis déjà servi, j'avais besoin de tourner, enfin j'en avais besoin pour faire autre chose, donc attendez. Donc voilà, l'ordinateur, voilà, je vous mets le petit clip que j'ai fait, voilà, juste ici. C'est parti. C'est un ordinateur avec une carte graphique AMD Radeon. Radeon chez Fansmer, tout sera en description. Le lien pour l'acheter sera aussi en description. Donc pour ceux qui connaissent le magasin Top Office, c'est ici que je l'ai acheté. Je tenterai de vous trouver le lien. Voilà, si je trouve le lien, il est à 500 euros. Et bah voilà, je l'ai acheté 500 euros, sachant qu'il était en promotion. Je sais pas combien il sera après. Ensuite, nous avons une carte mère AMD A9, je crois que c'est ça. Ensuite, nous avons 12 Go de RAM avec une batterie qui dure 3 fois plus longtemps. Et le son, c'est Sonic Master. Voilà. Donc, et l'ordi, il est de marque Asus, donc comme vous avez pu le voir dans le petit clip. Désolé. Voilà. Donc après, peut-être... Hop. Voilà. Je vous prends comme ça. Histoire de vous montrer un petit peu. Voilà, donc on a un clavier classique des ordinateurs portables. Assez doux, j'aime bien au toucher et ça change complètement de mon autre ordinateur. Voilà. Donc ensuite ici on a le petit logo Asus par ici, donc il ne voit pas très bien. Il est en relief un petit peu brillant. Voilà, très petit fond d'écran. Ici on a le pavé tactile. Ici on a les numéros.
Ensuite, au niveau des ports, donc ici, juste ici, on a la prise, enfin la prise secteur. Enfin, branché ici, on a la prise Ethernet. Ici, je sais plus c'est quoi cette prise, mais c'est pour voir sur l'autre écran par fil. Ici, on a un port HDMI. Ensuite, ici, on a un port USB type 2.0. Ici, un 2.0 aussi. Ici, c'est rien. Ensuite, de l'autre côté, juste ici, nous avons le lecteur de carte SD juste là. Ici, nous avons le port écouteur micro. Ici, un port USB type 3.0 et le petit lecteur DVD, voilà, des familles. J'avais encore jamais ouvert, par contre, là c'est un truc que j'avais jamais vu. Donc voilà, on le referme. Et voilà. Voilà les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc en tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous faire découvrir ça. Donc, voilà, ça m'a fait super plaisir de vous faire partager une partie de mon nouveau setup. Donc bientôt la vidéo setup arrive. Voilà, donc désolé si ça bouge un petit peu. Donc la vidéo setup arrive bientôt, donc je vous montrerai un petit peu quand on n'a pas les moyens au début YouTube. Quand que moi personnellement je fais, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, à partager et à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Allez, sinon, ciao et peace.